Jean-Marie ? Jean-Marie, téléphone pour toi, c'est ta femme, je crois que c'est urgent. Je me suis vengé du chef, et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé, et je l'ai jeté à la volaille. Ma vengeance est faite. J'ai couvert une affaire similaire en Lorraine, et c'est la mère qui avait fait le coup. Ici, c'est pareil, j'en suis sûr. Dehors. Dehors. Je vais vous prendre. Allez, c'est la mère qui a fait le coup. J'ai accepté de partager avec vous certaines choses. Le contenu de cette enveloppe est ce qui vous intéresse. Un membre de la famille m'a dit que les gendarmes avaient trouvé un nouveau suspect. Qui ? Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Villemain. Et si nous nous recueillir en paix, vous foutez le camp, merde ! Jean-Marie, il arrête pas de dire qu'il va s'en prendre à toi. On va pas rester les bras croisés à attendre que ça nous tombe sur la tête. J'ai peur de Jean-Marie. Et si on doit régler nos comptes entre hommes, eh ben on le fera. T'es proche de ton beau-frère ? Oui. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu as fait en sortant du collège le mardi 16 octobre ? J'ai pris le car comme d'habitude. Vous vous souvenez de la présence de Muriel Boll dans le car ? Elle était pas là ? Elle était pas là. Une voiture vient la chercher. Il y a des erreurs, enfin des différences avec le trajet qu'elle a décrit pendant l'audition. Cette affaire a pris une dimension médiatique considérable. Bézina pointe du doigt la mère de Grégory depuis le début et maintenant c'est au tour des avocats de Laroche. Donc là, Christine Villemain, elle est en danger. Je leur donne pas 3 jours pour comprendre que Christine n'est ni le corbeau ni l'assassin. Maintenant, il y a 2 clans. Les pro-Laroche sont anti-Christine et les pro-Christine sont anti-Laroche. Au fond, c'est absurde. Pourquoi il y aurait que 2 pistes ? Mais aujourd'hui, on est enfermé là-dedans. Vous défendez la partie civile. Et maintenant, vous défendez un père assassin et une mère que la presse accuse d'infanticide. Vous pensez que je suis un monstre ?